la première image. Celle qui vient, parfois, longtemps, après le point de départ, parmi toutes les autres. C'est la première intention de la mémoire. Cette image qui revient, parfois, quand tout va bien et quand tout va mal. C'est le premier mouvement, comme être ce spectateur qui entre dans la salle, au beau milieu du film. Tout ce qu'il avait fallu d'oubli et d'attente. On donne bien des noms aux cyclones et aux tempêtes.